Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette longue série de Pokémon. La dernière fois, on avait attrapé Dialga et Palkia, ce qui était quand même pas mal. Et maintenant, on va faire quelque chose. Alors déjà, un truc que je vais faire. Parce que j'ai farmé un petit peu d'argent entre deux, puis je n'en ai plus. Hop. Ah, super. Hop. Ah bah tiens, je sais pas vu toi. Non. Une lettre du professeur Chen. C'est magnifique. Une lettre du professeur Chen, disais-je. Je. Nous espérons vous revoir bientôt. Et bah moi aussi j'espère te revoir bientôt. Vu tout ce que tu me donnes. Du coup... Alors... Parce qu'on objectif c'est d'aller là. Si je passe par là de survie, ça va être bon je pense. Alors, que nous réserve cette route Combat du obligatoire. Dans les bras de mère nature, les gens et les Pokémon deviennent forts. Après notre conversation, nous allons combattre. Si tu veux. Maud et Manon. Un lion, tiens. J'ai une seule attaque, donc il va falloir faire avec. Hein. Ça va pas, salope. Est-ce que c'est le one shot? Bonne question. Même pas. S'il te plaît. Ouf. Ah oui, il va forcément dégâts de recul. Ce n'est point très efficace. Spécial magnifique. Un Arbok. Ah. Ah aussi. Ok. Si tu veux. Niveau 66. Bon, il a un petit peu plus d'attaque, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Ok, ça va être magnifique. Et donc, tu vas être chiant à buter, toi. Je
changer de Pokémon parce que là ça va pas le faire. Allez, Luxray. Pritonor. Le combat bien chiant, juste pour casser les couilles. Ah non, coup de jus, je peux, ouais. Ah, reparfait. Par contre, je ne connais pas toujours pas le type de son putain se cacher. Il doit être haut, je pense. Dessus et au croupi. Ouais, waouh, quel dresseur, c'est très impressionnant. Après notre conversation, je te remettrai des récompenses contre ton cœur. Ouais, de l'argent quoi. Ah bah tu n'as l'objet. Je n'avais point vu. Super bonbon, pourquoi pas. Je passe par là. Ok. Ah, faut que je mette une repousse. Plus pour un brave allonge quoi. Maison de chat. Je dis rien. Un gros champi, ok, je pourrais le vendre. Là c'est quelque chose et rien. Oh magnifique esquive. Un rappel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? C'est la fournaise de l'ancien, non, j'ai mon équipe. Ok. L'eau est de rejeter toute la vie, mais sans déconner. Mais en même temps, je devrais ouvrir une Pokémon. Ok. Il y a encore un objet ici. Un ensemble doux. Un tesson vert, ouais, si tu veux. Tac. Quelque chose là. Attendez, no panicos, il y a quelque chose ici. J'espère que l'objet en vaut la peine. Tremble devant le pouvoir des Pokémon de petit dragon. Je serai le prochain maître. Alors, j'ai aussi un Pokémon dragon. Carmache. Voilà, Azaglas. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, la réponse est rien du tout. Altaria aussi. Bah, vol dragon, du coup x4, du coup KO. Mais c'est cool qu'Altaria puisse apprendre à Dragas. C'est cool. Voilà. Au revoir Florian. Le potentiel ne fait pas la victoire. Une bonne année, une victoire. Oh, c'est perdant ça.
Allez, hop. Oui, oui, allez. Ok. Ah, des maisons comme ça, quoi. Ils sont bizarres, les maisons, ici, hein. Ouais, une capacité de nos puissances générale, une capacité de... Non, tu la veux. Pourquoi pas. Façade. Ah, façade, ok. Non, c'est bon. Ok. La porte est fermée à clé. C'est marqué réservé aux membres. Si tu veux, vas-y, je m'en fous. Alors, 4. Ok, après, il faut que je... Point, 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 point. Ça pour DB, c'est bon, DB, j'en ai plein. Ah, il y a un objet ici. Ah, il faut utiliser plein de fois qu'est-ce qu'il y a ici. Hein. Pourquoi pas. Ralenti que, ok. Combat dur, bon bah obligatoire. Les Pokémon ont grandi avec Mère Nature, ils sont forts. Comment ça va? Moi, c'est Sébastien, je suis un dracologue. Que dirais-tu d'un petit combat de Pokémon, ça te tente? Ça me tente pas, mais bon, vu que j'ai pas le choix. Louise et Sébastien. Il me fait peur là. Extrait. Hop. Vu qu'il est dragon, du coup, super efficace. Voilà. Du coup, la Zagla sur Altaria et toi, Croix éclair sur Rapace de Pique. Forcément, 3-4 sur un Void Dragon, tu parles. Qu'est-ce qui monte à la vitesse? Forcément super efficace. Ok. Et c'est le one shot. Et c'est la montée de niveau. Xatu. Hop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, vas-y, fais. Et on n'en parle plus. Comment ta puissance peut-elle surpasser celle de Mère Nature? Victoire, je veux dire, victoire pour toi! Bah oui, parce que t'as perdu, banane. T'es con. Ouais, j'ai perdu, mais j'ai quand même gagné, banane. Écosphère, hein. Et la signe à bras peut la prendre. Hein. Ah, c'était... J'aurais pu esquiver le combat.
Le repos c'était plus actif. Hop. Non, ça va l'air d'être là. Ah, une maison. Ah, ça rappelle Aoen, ça, tiens, il y avait une maison comme ça aussi. C'est qui, toi? Hey, konnichiwa, ravi de te rencontrer, guten tag. Je suis le meister, hein? Dans ta langue, on m'appellerait l'artisan des mots. Quelque chose comme ça, isn't it, capito? Ouais, le sniff-sniff, je te sens bien, j'ai quelque chose. Mon doute, tu as les Pokémon avec ton cœur, non? C'est Wunderbar, voilà ce que je vais faire. Je vais améliorer ton Pokédex pour que tu puisses lire les descriptions des Pokémon dans d'autres langues. Mais sorry, pas toutes les langues. Seulement celles des pays que moi, le messenger et les capitaux. Allez, passe ton Pokédex, alors changer de réglage, vidéo et truc, et voilà. Now, tu peux lire les descriptions dans d'autres langues de Monster Pool. Si tu veux, ça t'éclate. C'est par là qu'il faut que j'aille. Hop, ça c'est fait. De justesse, faut que j'aille là. Ah, il peut descendre, tiens. Enfin, il peut descendre, le mec. Oh non, non, on peut. On était tranquille plusieurs épisodes sans lui. Oh, c'est toi, Sora, ça fait un bail. Tu as fait tellement de progrès que tu viens t'entraîner ici maintenant. Tout le monde devient de plus en plus fort. Et en même temps, chacun développe des liens plus étroits avec ses Pokémon. Maître, que signifie, quelle infinie sagesse. Quoi, tu n'as toujours pas compris le message? Ne m'appelle pas. Je me rappelle pas t'avoir jamais appris que. Jamais pris comme apprenti. Si tu t'intéresses au catch, je peux te faire une démonstration, mais ça s'arrête là. Oh, oh maître, soyez pas comme ça. Vous devez me faire entrer dans le club à l'air de survie. Comment je me suis mis dans un tel pétrin? C'est marrant parce que je te pose la même question. Comment je me suis mis dans un tel pétrin? Pétrin. Enfin bref, alors tu vas au moins abrupt, Sora. Tu croiseras des Pokémon sauvages très puissants. Toi et ton équipe risquez de passer un sale quart d'heure si vous n'êtes pas suffisamment entraîné. Cela dit, ce genre de challenge est toujours riche en émotions fortes, à partir du moment où tu sais ce que tu as fait. Bon, j'ai un tournoi de prévu, je dois me préparer, un de ces jours. Oh putain. Tu sais, je crois que je me suis encore amélioré dernièrement. Du coup, je vais relever le défi de la zone de combat. Maître, attendez-moi. Qu'est-ce qu'il est insupportable ce mec. Une grand-mère. Oh, quelle fière équipe, mais vous semblez épuisé. Si tu veux, je peux te laisser dur. Ah oui, ça va. Oh, voilà, qui est ça? Je lui ai bien mérité un peu de repos. Je suis vieille. Oh, pauvre dessert, cette route était vraiment épisode premier. Si tu veux, je te reposer. Ouais, non, ça. Oh, voilà, ça va bien, tu veux. Oui, ça va y aller. Et mamie qu'on veut, qui veulent qu'on dort 36 000 heures, c'est bon, on connaît ça. Hein. Ah oui! Yo, Sora! Yo, mais c'est Sora! Tu vas t'entraîner, pas vrai? Pendant que tu y es, tu peux me rendre un service? Va patrouiller au mont Arbus, s'il te plaît. Je dois te calmer. En plus, je veux y aller. Il y a un volcan là-bas, le mont Abrupt. Ses profondeurs abritent pierre. Ses profondeurs abritent une pierre spéciale du nom de pierre magma. Tout ce que je sais, c'est qu'elle. Elle a une importance vitale. Elle maintient un Pokémon endormi. Mais ces temps-ci, le mont Abrupt. Le bruit qui court. Il y aurait un voyou au mont Abrupt. On raconte qu'ils sont déguisés en cosmonautes. Hein? Moi? Je me rends au centre Pokémon pour y soigner mes Pokémon épuisés. Alors, si tu pouvais t'occuper d'aller au mont Abrupt pour moi, ce serait super. Ouais, super, il y a marqué Bonnie sur mon front. Attention, Lyon. Morceau étoile. Ok. Je sais pas comment il peut commencer à se placer. Oh non. Je savais qu'il y aura un truc. Oh, va te faire. J'ai médité sous une cascade pour réimpérir Rachel. Permets-moi de te démontrer ma force.
sauver Willy. Champignon. Laser glace, hein. Un petit coup de laser glace, on n'en parle plus. Coup critique, et ouais. Charmina, il est combat psy, je crois, lui, non, je sais pas. Ah, détection. Si tu veux. Deux fois d'affilée. Nani. Ah oui, parce que j'ai trois fois d'affilée. Pourquoi c'est pas une détection d'ailleurs? Pourquoi il fait que détection? Il y a que ça comme attaque? Il a que ça comme attaque? C'est débile! Ah non, il n'y a pas que ça. Joum, sniff! Ah ouais, avec les cendres. Tu m'étonnes. Ah, le moins abrupt. Ok, alors. Oula! Max Elixir. C'est un petit peu chou ici. Lol. Vas-y, voilà, le mont. Ils sont quand là, eux? Il ne reste qu'à atteindre les préfonds. Allons-y. Ouais, mais tu crois que le vieux monsieur est apte à prendre les rênes? Est-il vraiment à la hauteur pour remplacer Elio? Quel vieux monsieur? Ouais, je sais, Pluton a beau être... Ah oui, a beau être commandant, il n'arrive pas à la cheville de Elio. Peut-être que c'est le moment de quitter la Team Galaxy pour de bon. Non, bizarre. Zone volcanique, sans déconner. Ok. Hey, toi, dis-nous, et pas seul le maître Elio. Vous étiez où après la disparition, votre disparition au colonne lance? Hein? Dans le monde d'Itarsion? Celui où il Giratina? Tu racontes n'importe quoi, ne joue pas avec moi avec ça. Tu refuses de dire la vérité? Bah, c'est la vérité. T'inquiète, j'ai les moyens de te faire parler. Bah, c'est la vérité en fait, hein. Archéodong, hein. Si tu veux. Ah, c'est tout. Ah, mais je vais galérer. Envoyer mon Tritosaur. Ah zut. Si je peux lui baisser sa précédence, ce serait bien. Et baisse sa précision. Oh là là. Vas-y, encore une fois croupie. Ça va mettre haut, je pense, non? Ah voilà. Ah, allez. Bon là c'est moi les KO. Pourquoi il a pas refait en folie, c'est bizarre. Ouais. Chaffre, ouais, bon je remets Altarien. Laser glace, je pas que ça. Ah, il a hypnose.
Les citrouilles, ça je parie. Ça enlève que dalle. Ça enlève vraiment que dalle. Merci. Voilà, c'est bon, les KO. Nosferatu, bon bah Nosferatu c'est mon one shot avec Laser Glass et Nico. Voilà. Encore battu, tu as une dent contre moi ou quoi? Bah t'as qu'à pas me défier puis voilà. Mes Pokémon m'ont encore laissé tomber. Comment suis-je censé recueillir des informations si notre maître a disparu? Mars, café blesse, c'est pitoyable. J'ai honte d'être commandant comme toi. À mon tour maintenant. Moi aussi je veux découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que devenu Helio. Super. Oh non, encore que donc quoi. Vous voulez m'avoir en fait. Je vais envoyer Tritosaur. Okroupis, tu peux baisser sa précision. Ça m'arrangera s'il te plaît. Magnifique coup critique, merci. Ah. Nosferalto, ouais, je vais changer. Hop. Altaria, Laser Glass, hop, one shot, on n'en parle plus. Hop, il récupère tous ses PV, c'est magnifique. Mouflair. Laser Glass. Stratégie, Laser Glass, Laser Glass, Laser Glass, Laser Glass, Laser Glass. Ah bah il est joué, tiens, parfait. Là, je peux rien faire, faut que je change de bouton. J'en vais casser mon cœur. Je l'ai. Je l'ai, ok. Ok, bah pas la peine de frimer, c'est du mauvais goût. Je fais une poste qui frime depuis tout à l'heure, t'es débile. Comment oses-tu? Ok, ça suffit, je vais chercher Maître Helio. Le monde distorsion, c'est bien ça, et je m'y rends de ce pas. La Team Galaxy, c'est fini pour moi, Jupiter, débrouille-toi toute seule. Ça m'a toujours hérissé de suivre Mars dans ses visions, mais je m'accroche aussi. La Team Galaxy n'a plus aucun intérêt sans Maître Helio. Mon vieux, fais ce que tu veux de la Team Galaxy, ta carte blanche.
Nous voilà de retour à nos vies de jeunes filles ordinaires. Tu veux faire le ménage si ça te chante? Ok. Tu parles, une fille ordinaire. Et puis quoi encore? Bon, faut... Que faire maintenant? Partir en voyage peut-être? C'est impressionnable, épée imprécieuse. Pourquoi une telle admiration pour cet Helio immature et imbu de sa personne? Il prend la peine de fonder la Team Galaxy et finit par tout détruire au nom de son rêve ridicule. A cause de lui, me voilà contraint de récolter les morceaux. Mais je m'en accommoderai. Laissons les jeunes rêver, quant à moi, je préfère garder les pieds sur terre. L'argent est la seule chose qui compte. Toi, le marmot, ce n'est pas moi qui irai te chercher des noises. Il m'a suffi de voir ce qui est arrivé à ceux qui ont fait cette erreur. Partons sans plus attendre en quête de la pierre magma. Avec elle, je suis sûr de toucher un pactole. D'accord. Et écoutez, c'est là qu'on va s'arrêter. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au prochain épisode. Et le plus important, des bisous!